ministre. La parole est à monsieur Philippe Folliot. Monsieur le ministre de la Défense, la République centrafricaine compte parmi les pays les plus pauvres au monde, en proie à une guerre civile plus ou moins larvée depuis plusieurs années, voire décennies. Elle s'enfonce chaque jour un peu plus dans le chaos. L'État central est failli, il n'existe plus. Des pans entiers, notamment le nord-est, dans la région de Birao, dite zone des trois frontières, échappent à tout contrôle des autorités de Bangui depuis une dizaine d'années. Elle est devenue une zone grise où prospèrent des bandes armées autour du Selaka avec des pillages, des exactions et viols en tout genre. Le spectre du génocide interethnique et religieux n'est pas loin. Comme elle l'a fait au Nord-Mali, la France ne pouvait rester insensible à l'émergence d'une telle zone de non-droit et au triste sort des populations civiles. L'UDI soutient l'initiative de la France dans le cadre de la force Bouali, de renforcer pour atteindre le millier notre contingent, aujourd'hui fort de 450 hommes sur place. Actuellement, les parachutistes du 8e RPIMA de Castres, régiment que vous avez du reste visité il y a quelques jours. Toutefois, nous nous interrogeons sur le cadre juridique de cette intervention, notamment sur la résolution des Nations Unies nous y autorisant et sur la capacité des forces africaines à se déployer rapidement et efficacement sur le théâtre quand on voit les difficultés de la MINUSMA au Mali. De plus, que va faire l'Europe et quelle est la nature des contacts pris avec nos alliés pour qu'ils puissent nous soutenir militairement, logistiquement ou financièrement dans cette opération? Le jour même où l'Assemblée nationale engage le débat sur une loi de programmation militaire lourde d'incertitudes, cela démontre plus que jamais que la défense doit être une priorité politique et budgétaire pour le pays. Merci. La parole est à monsieur Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères. Monsieur le député Folliot, d'abord, merci beaucoup pour la description que vous avez faite de cette situation effectivement dramatique en République centrafricaine et merci beaucoup du soutien de votre groupe. Vous posez deux questions précises. D'abord, dans quel cadre juridique l'action de la France va-t-elle se situer? C'est dans le cadre d'une résolution des Nations Unies qui devrait intervenir la semaine prochaine sous chapitre 7. Tous ici, vous savez ce dont il s'agit. Il y aura un mandat donné, il y a unanimité du Conseil de sécurité, à la fois aux forces africaines de la MISCA et à la France. Deuxièmement, vous posez la question, quels contacts sont pris avec nos partenaires européens? Je suis en train de les prendre, car évidemment, plus il y aura un soutien européen sous forme militaire, sous forme logistique, plus il sera rapide, aisé et financier, vous en faites le geste, vous avez raison, plus nous serons en capacité d'agir. J'ajoute bien sûr que dès lors que la résolution des Nations Unies sera intervenue et dès lors que le gouvernement de la République aura pris sa décision, le Parlement, selon les textes qui nous régissent, sera bien sûr consulté. Je finis par dire que dans cette opération, qu'est-ce que nous vivons? D'abord, venir en aide à une situation humanitaire abominable. Je dis bien abominable. Ensuite, rétablir la sécurité dans un pays qui est en train d'imploser. Troisièmement, permettre une transition politique, car les autorités là-bas sont transitoires. Et quatrièmement, le moment venu, permettre un redémarrage du développement économique. La France est fidèle à sa mission, elle est au soutien des Africains, elle est conforme à la légalité internationale et elle va travailler pour la paix. Merci, monsieur le ministre.